Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui, le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Lefani, ainsi que de Refouat Léa Bat Elisheva Betor Shah Kol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions au Maser Tragiga, Perek Alef Mishnah, Hey, Mishéchlo Ochlin Merubim, Unechassim Muatim, Mevishlamim Merubim, Veolot Muatot, Nechassim Merubim, Veochlim Muatim, Mevisholot Merubot, Ushlamim Muatim. זה בזה מועט, על זה נאמר, מעה כסף ושתי כסף. זה בזה מרובים, על זה נאמר, איש כמעט ענת ירדו, כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. On continue à parler de la quantité des korbanot à apporter des Shalmei Chagiga et Orlat Re'iya. Pour rappel, lorsqu'on monte à Yerushalayim à l'occasion des fêtes, on a en fait trois sortes de korbanot à apporter. Deux qui sont imposés d'abord. C'est Olat Re'iya et Shalmei Chagiga. Tu viens dans la Hazara, tu dois faire deux choses. Tu dois apporter un cadeau, parce qu'on ne rentre pas les mains vides, chez HaKadosh Baruch Hu, tu dois l'apporter un korban. C'est la Olat Re'iya, elle va être brûlée entièrement sur le Mizbeach, c'est une Ola. Et à part ça, Shalmei Chagiga, tu as une devoir de te réjouir en l'honneur d'Hachem aujourd'hui. Le premier jour où tu viens, c'est d'apporter les korban Shalmei Chagiga, c'est d'avenir de ton argent de poche. On avait vu dans la Mishnah Gimel, il me regrette Benjamin Betelès, que c'est celui de mettre un petit peu ton argent de poche et de rajouter un petit peu de l'argent que de toute façon tu dois apporter comme le Maaser Sheni ou pas. À part ça, on a vu dans le Mishnah Bet qu'il y avait une marque Benjamin Betelès sur la quantité de Ola, Ola Treya et Shalmei Chagiga à apporter, parce que c'est Ma'a Kesef et Shte Kesef, ou Shte Kesef et Ma'a Kesef, le double, un le double de l'autre, avec la Ma'a Kesef aussi, bon, c'est une monnaie d'époque, si vous vous rappelez, ça d'un peu d'Ovev. Ça va nous faire, allez, pour vous donner une idée, ça va faire de 4 et 4 et 8, ça fait 32 proutotes minimales, bon, pour une main à KSF. Et voilà. Ça, c'était les données qu'on avait. Maintenant, on va voir dans notre Mishnah quelque chose de plus précis. Ah, à part ça, je sais pas, on a parlé de deux sortes de korbanot. Ola Treya et Shalmei Chagiga. Et à part ça, on a vu dans la Mishnah précédente, Shalmei Simcha, qu'à part ça, tant que tu restes à Yerushalayim, c'est la fête, tu dois te réjouir, tu dois manger de la viande. Pour manger de la viande, tu dois porter d'autres korbanot que tu devras manger. Par n'importe quelle occasion que tu as de manger de la viande, tu t'acquittes. Même si tu es un Kohen, tu n'apportes aucun korban, mais c'est un Israël qui va te donner une part de son transaction, tu t'acquittes aussi avec ça, d'accord? Et tu n'as pas d'obligation d'apporter toi-même, même si en fait, j'imagine, même si c'est ton voisin qui va faire et qui va t'inviter à sa table ensuite, tu t'acquittes aussi, tu t'accomplis ta misa. Alors que Shalmei Chagiga, tu dois apporter toi de ton argent. Parce que tu as une devoir de le faire toi-même. De payer ton pot, toi aussi. D'accord? Maintenant, la Mishnah va nous parler d'une situation, en fait, Mishéchlo Ochlin Merubim, quelqu'un qui a beaucoup de bouches à nourrir dans sa famille. On est Chassim Mo'atim, mais il n'a pas beaucoup de biens. Pas spécialement riche. Donc il a maintenant 5 animaux. Il peut acheter 5 moutons, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il devra faire? Eh bien, Mevishlamim Merubim, Verolot Mo'atot. Qui mette le paquet sur les Shlamim, parce que les Shlamim, c'est consommé par la famille. Parler de propriétaire, et tout celui qui voudra inviter, et Olot Muatot, il rapportera peu de Ola, donc il peut apporter 5 korbanot. Fais une Ola, si jamais tu t'acquittes avec la quantité qu'on t'a dit, j'étais Kesef ou Ma Kesef, et même un seul korban, et les 4 autres, fais des Shlamim, comme ça tu auras beaucoup de viande à donner. Si c'est le contraire maintenant, Nechassim Merubim, ve Ochlin Muatin, il a beaucoup de biens, il est riche, il est aisé, mais quoi, il n'a pas une grande famille, le pauvre. Chacun a son Nisayon. Il y en a qui ont une grande famille avec pas beaucoup d'argent. Il y en a qui ont plein d'argent, mais ils n'ont pas de famille. Qu'est-ce qu'ils font avec tout... Combien? Alors quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va monter à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, dans ce cas-là, lui, il va faire le contraire. Mais vi olot merubot ou shlamim muatin. Il devra, dans ce cas-là, mettre le paquet sur les olot, amener plein de olot, parce que de toute façon, elle va être consommée entièrement pour Hachem. Donc, il pouvait lui acheter pas 5 animaux, il pouvait acheter 20 animaux. Il fera un korban shlamim pour être consommé par lui et sa famille, et 19 korban olot reya s'il veut, même plus. Autant qu'il veut. C'est bien, c'est comme quelqu'un qui a fait un très beau cadeau à Hachem, d'accord? Ça fait encore plus de corbanotes. Maintenant, Zelazemouat, s'il est tout restreint, il n'a pas beaucoup de personnes qui consomment, et en plus de ça, il n'a pas beaucoup d'argent, alors là, Alzene Emar, Ma'a Kesef ou Shte Kesef, c'est pour ça qu'on t'a donné la quantité initiale dans la Mishnah Bet, avec la quantité requise minimale. Ce qu'on t'a dit, Shte Kesef et Ma'a Kesef, une Ma'a, c'est une monnaie d'époque, avec deux Ma'a, selon Benjamin Betilel, soit deux fois plus de Olot que de Shlamim, soit deux fois plus de Shlamim que de Olot, c'est la quantité minimale, elle a été donnée pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent, c'est le minimum que tu donnes, et celui qui n'a pas beaucoup de personnes qui consomment.
Mais si tu as beaucoup de personnes qui consomment chez toi, bah, tu dois apporter encore plus grand. Comme ce qu'on a vu dans les trois cas, dans les deux cas précédents. Et la dernière situation, c'est Zébazé Merubim. Et là, tout, il a plein d'argent et une grande famille. Alors quoi? Alze Nehemar, c'est sur ça que le pasouk il a dit. Ishke Matenat Yado, un homme donnera comme Matenat Yado, comme ce que sa main lui permet de donner. Kebirkat Hashem Elokeicha Asher Natanach. Comme la bracha qu'Hachem, ton Dieu, te donne. Soit, donne au maximum tout ce que tu peux. Kematenat Yado, Kebirkat Hashem Elokeicha Asher Natanach. Comme la bracha qu'Hachem il t'a donné. Dans ce cas-là, manifeste-toi selon ça. Comme quand on va dans une occasion, un mariage, ce que vous voulez, chacun il donne selon ce qu'il peut aussi. Il y en a qui font faire un beau cadeau pour les jeunes mariés, ça c'est si tu peux, mais même si tu n'as pas les moyens, tu donnes un peu. Et si tu as beaucoup, tu donnes beaucoup, si tu as beaucoup, mais tu as aussi beaucoup d'enfants. Par conséquent, la même chose aussi lorsque tu vas au Beth Migdash, tu as maintenant, tu as les moyens, tu as une grande famille, tout le monde va manger, il n'y a pas d'argent. L'important, s'il vous plaît, préciser, l'important de ne pas porter trop de shlamim si tu n'as pas personne qui consomme. Parce que le shlamim, tu es limité avec deux jours et une nuit, la nuit du milieu pour consommer. Tu l'apportes aujourd'hui, lundi, tu as la journée du lundi, la nuit qui suit, puis après le mardi, jusqu'à la tombée de la nuit pour consommer. Si tu vas faire plein de corbanotes et ça ne va pas être consommé, la viande, elle va être brûlée pour rien. Pas en guise de corban, elle va être brûlée parce qu'il faut l'autocirumer noix de boker. Il est interdit de le laisser traîner, donc il va falloir le brûler. Alors là, il vaut mieux apporter plein de l'autre. Mais si tu as de quoi assurer avec des personnes qui vont consommer, eh bien, au contraire, apporte plein de shlamim et plein de holot. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.